Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien. On est jeudi midi, je vais poster cette vidéo jeudi soir. Je suis à la rage totale. Ça fait normalement, on va dire, plus d'une semaine que je dois shooter une vidéo, mais que je n'ai pas le temps. Et tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, on ouvre le parc à partir de samedi. Donc ça, c'est une super nouvelle. D'ailleurs, on est quasiment complet au niveau des sessions. Donc c'est top. S'il y en a encore qui veulent réserver, sachez qu'il doit encore nous rester 2-3 créneaux. Mais bon, bah voilà, de toute façon, la saison va commencer à se lancer. Pour le moment, on est encore capable d'ouvrir. Hein, on ne sait pas ce qui va se passer par la suite avec les annonces du gouvernement ou autre. Donc aujourd'hui, je suis à l'arrache, je vous l'annonce. Mais je me suis dit, petite créativité comme ça m'est venue, il faut que je fasse le moins de coupures possible dans cette vidéo. On va bricoler un petit truc parce que, autre de mes passions, hein, c'est surtout le bricolage aussi, en plus du wakeboard. Je vais vous montrer, on va faire un petit bricolage dans la cabine de change. On a une board qui est explosée et on va en faire un porte-manteau. Donc voilà, hein, je vous propose ça aujourd'hui. Et en même temps, je vais vous filmer un petit timelapse de Justin qui est en train de remettre les modules avec Cédric pour ce samedi. Donc voilà, grosse annonce aujourd'hui, le Day Wake Park ouvre samedi. Allez, regardez-moi ça, je vous ai préparé la board, elle est ici. Donc, je sais pas si vous la voyez, voilà, la board elle est là. On a des petits trucs comme ça. Donc ça c'est des boutons tout simples. Donc normalement c'est les boutons de tiroir. Et en fait, on va les accrocher comme ça, par là, un peu à droite, à gauche, pour pouvoir faire en sorte de mettre dans la cabine de change. Je vais vous montrer la cabine de change. Elle se trouve là, juste derrière moi. Et on va aller dans cette cabine de change. Parce que pour ceux qui connaissent un peu, avant, la cabine de change, c'était pas le meilleur endroit, en fait, du Day Wake Park. Mais donc voilà, on a maintenant cette magnifique cabine de change. On va avoir un rideau. Et là-dedans, on va aller fixer juste ici la board, et comme ça on pourra accrocher ces trucs ici et là. Donc voilà. Bon, j'étais en train de préparer un truc, mais vraiment complètement sordide, et je me rends compte que tout compte fait, ça va être le plus rapide bricolage que j'ai fait toute ma vie. Il y a déjà des trous pour les ailerons que Decathlon avait mis. Donc c'est une board Decathlon sur laquelle, en fait, on a arraché les inserts, en fait, la chose elle est partie. Et donc du coup, il y a des trous pour les ailerons. Et je me dis que ça peut être pas mal, en fait. Donc on va aller la fixer comme ça. Et puis, mais d'abord, on va principalement rentrer ça pour éviter que personne se blesse. Et puis, je pense que c'est pas mal comme ça, le porte-manteau. Bon, et puis deuxième trouvaille. Normalement, cette vis, elle est plus grande. Parce que, je vais vous montrer. Hop, je baisse la caméra. Voilà. Là, ici, donc ça dépasse. J'ai utilisé les trous des ailerons. Ça dépasse comme ça et je peux pas le serrer. Mais malgré tout, avoir juste cette petite applique, je sais pas si on arrivera à tenir correctement tous les vêtements et les trucs. Donc mettre un morceau de gaine comme ça derrière, et puis pour rallonger. Donc voilà ce qu'on va faire là maintenant, ça va être assez simple. Bon, petit changement de programme, je pense qu'on va plutôt mettre la board dans le sens de la largeur, parce que les palissades, elles sont pas quand même super costauds. Et j'ai pas envie qu'avec tout le poids, ça fasse tomber la palissade. Donc on va le mettre sur la surface du chalet, ça va tenir super bien. Et du coup, en plus, on pourra mettre plus de boutons comme celui-ci. Donc je vais réutiliser de la gaine, j'ai encore deux autres boutons comme ça. Et puis on va aller les monter à côté. Ok, c'est déjà mieux. Bon, maintenant on va fixer. Donc on va faire des pré-perçages. Donc voilà, je viens de fixer. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On a un peu changé les plans d'origine. Mais voilà, attendez, je m'enlève, hop. Et ça donne ça. Et puis elle tient bien, hein. On pourra faire de l'escalade même. Voilà les travaux d'AU. Maintenant, on va aller voir
les modules, s'ils se retendent, on est en train de changer le setup. Alors du coup, je vais pas tout vous montrer, parce que sinon c'est de la triche. Voilà, je pense que vous avez rien vu, et ça tombe très bien parce que de toute façon, je voulais pas réellement vous le montrer, hein, parce que le setup, il est en train de changer. Et bon, comme ça, vous verrez ça la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je pense que c'est pas mal de vous montrer le setup, comme ça on aura le temps aussi de le rider un petit peu, et puis de vous montrer comment on s'est éclaté dessus. Voilà les animaux, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci à tous une fois de plus de nous suivre. Pensez à liker et puis à vous abonner, hein. C'est vraiment un grand plaisir toujours de vous faire des vidéos, surtout dans le milieu du wake, on n'en voit pas des masses comme ça sur YouTube, donc c'est vraiment cool. Et puis bah, moi je vous dis à très bientôt dans un prochain contenu, j'espère la semaine prochaine ou la semaine d'après. Mais voilà, à très bientôt. Allez, ciao les animaux légendaires.